Allô? Oui? Pour de vrai? C'est mon téléphone! Ok, on fait comme ça! C'était l'agence Machin Truc et ils veulent louer la maison pour tourner une pub! T'imagines les trucs de fou? Ça a marché! C'est pour quand? Allez, dis! Ben là! Aujourd'hui? Mais on n'est pas prêts! Mec, en l'amour de Chips première! Action! C'est sympa comme boulot. Pas trop pénible de jouer les potiches pour une marque de chips. T'as qu'à coup, tu déranges peut-être. Ces messieurs dames travaillent. Coupez! Virez-moi ces deux clowns du plateau! Il y a des clowns! Les clowns! Les clowns! Boss, ce sont les proprios. Les clowns! Les clowns! Là, pas bouger. Vous êtes les directeurs artistiques préposés au sandwich. Ton mayonnaise cornichon pour moi. Dis donc, c'est une responsabilité quand même. Hubert mon grand, c'est la chance de ta vie. Oh, laisse. On reprend. Prise 2. Action. Tends les bras, m'accueille comme un fils. Et toi, toi, tu fiches tout par terre. J'y peux rien si leurs grippins sont mal réglés. En fait, t'es jalouse parce que je suis le chouchou du réalisateur. N'importe quoi, tu te fais un film là. C'est dommage que tu le prennes comme ça. Tu sais, c'est pas de ma faute si j'ai une qualité de peau qui prend bien la lumière. Je suis né comme ça. Hubert, fais gaffe, t'es en train de prendre le melon. Pauvre type. Elle n'était pas faite pour ce rôle. Trop belle pour être vraie. Je veux saisir l'essence de la chips smack. Il me faut de l'authentique, du rustique. Mais la tâche est immense. Suis-je seulement à la hauteur? Où mon génie me mènera-t-il cette fois? On va y arriver. Je suis là. Mais bien sûr. Un cochon, c'est parfait. On est totalement dans le concept. C'est quoi ton petit nom? Moi, c'est Hubert. On va t'appeler Smacky, la nouvelle mascotte 100% bio qui va faire craquer la ménagère de 7 à 77 ans. Allez, au boulot. Cool, et moi, je fais quoi? Bon, je te laisse cocotte, j'ai un tournage. Il est content, Smacky. Il a mangé toutes les chips. Coupé. Quelle puissance! Quel magnétisme! Elle est là, la vérité! Youhou! C'est dans la boîte, Coco! Alors, comment tu m'as trouvé? Oh, je sais pas. C'est un peu... C'est l'émotion, respire un grand coup. Les acteurs font toujours cet effet sur les filles, j'ai l'habitude. Mais non, rien à voir! Je trouve ça nul et ringard, voilà! Vers le cochon bête et crado, c'est pas toi, c'est pas l'Hubert que je connais. C'était le grand frisson, Coco. On se rappelle? C'est ça. Adios, ça nous fera des vacances. Surveille tes fréquentations, mon grand. Maintenant que tu représentes une marque de prestige, je voudrais éviter de t'afficher avec n'importe qui. Il voulait pas nous laisser, le monsieur. Oh, monsieur Smack. Oh, quel honneur de recevoir le président de la World Potatoes Company en personne. Oh. Remballez vos pathétiques courbettes, mon vieux. Je veux voir mon film. C'est minable. Nul. Raté. Zéro. C'est ce que je disais. Trop ringard, le cochon. Non, moi, je voyais plutôt des courses de moto avec des barbares de l'espace et des dauphins en 3D. Il faut pas écouter ce type.
Le cochon, c'est beau, c'est doux, c'est mou. Ça sent bon comme un pain au chocolat. Hubert, il est plus intelligent qu'un poulpe. Fort comme un truc. Et en plus, il fait hyper bien la cuisine. C'est pas un produit, un logo ou une étiquette. C'est le plus grand luxe du monde. Un vrai copain pour la vie. Alors, si vous en voulez pas, c'est pas grave. Moi, je le prends et je le garde. Sortez les violons, je vais pleurer. Entendu, Monsieur Smack. On se rappelle. Très émouvant. Je veux ce cochon. La petite demoiselle a carte blanche pour réaliser ce spot. Prêt? On tourne quand vous voulez, patronne. Ça va être après. Chut! Monte le son, on n'entend rien. J'ai trouvé! Smack! La chips des aventuriers, avec des vraies pépites de patates à l'intérieur. Une paire de bottes offertes pour le 350e paquet acheté. C'est scandaleux! Ils ont tout coupé! Mon film, mon œuvre, il n'y a plus rien! Ça y est, c'est fait! Je suis passé à la télé! Hubert! Tu vas jamais le croire! Et c'est toujours? Une journaliste vient faire un article sur moi! Takako, la révélation punk qui va faire sauter la baraque! Ma vie va enfin pouvoir commencer! Sympa pour moi. Je préfère partir avant que tu deviennes célèbre et que tu m'oublies pour de bon. Adieu! Arrête, t'es mon pote! J'aurai toujours besoin de toi. C'est elle! Tu peux rester, hein? Si tu te fais tout petit. Tu vois, le punk, c'est l'énergie de la rage. Je veux dire, ça brûle. Tu piges? C'est un peu bateau, la rébellion. Je voudrais trouver un axe plus original pour ce reportage. Un thé, mesdames? Jasmin ou bergamote? Je vous imagine plutôt jasmin. Hubert, mon coloc. Tout le plaisir était pour moi. Il est pas super punk, le papy, avec ses tisanes? Moi, j'ai des souvenirs dans le vent de ma mère où je supportais pas de... Les chouquettes d'épeautre au caramel et fromage de chèvre. Waouh! Vous êtes super créatif! Vous trouvez? C'est vrai que je suis plutôt à l'aise dans le registre du salé sucré. Mais attendez de goûter à la tourte aux patates de ma grand-mère. C'est le seul bon souvenir que je garde de mon enfance. Oui, c'est triste. Racontez-moi. Oh, rien de bien extraordinaire, vous savez. J'ai été élevé à la ferme dans le respect du terroir et le poids des traditions familiales. On se nourrissait exclusivement de glands et de châtaignes. Pour Noël, quelques radis égayaient notre table. Je voulais en prendre deux secondes. Non, mais ça va pas de squatter mon interview! C'est moi, le sujet original! J'y peux rien si mon histoire l'intéresse. Allô, Bernard? Ouais, écoute, j'ai un autre sujet possible. De la boue à la lumière, le fulgurant parcours d'un cochon. Ok, comme je veux, je vois au feeling. Bye! Super passionnant! Cendrillon, chimie, cochon! Quand t'as lu le titre, y a plus rien à raconter. Ne prenez plus de somnifères, lisez la vie d'Hubert! Tu permets qu'on sollicite l'avis d'une professionnelle? Ouais, et ben moi j'ai marché à 6 mois. Et ben moi je suis née avec une guitare. Moi j'ai eu le premier prix d'histoire géo en 6e. Et moi en seconde, j'ai été virée du lycée. Je sais faire sauter 2 crêpes à la fois. En vitesse de pointe, je dépasse le mur du son. Le but c'est de parler du quotidien de la personne. Tu me passes les céréales s'il te plaît? Tiens. Merci. De rien. Tu me passes le beurre s'il te plaît? Ennuyeux. C'est ça le quotidien avec Hubert. C'est elle qui passe ses journées à rien faire! Toi-même! C'est celui qui dit qui est! Loupé! 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 Allô? Non, j'ai pas encore choisi. Ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, donc je dis. Bonjour les boulets, je te remercie du cadeau.
Je sens qu'on accroche bien tous les deux. Ça vous dirait de terminer cet article à la terrasse d'un café? Voleur! Elle est à moi! Soyez sans crainte, Milady! J'arrive! Tu fais un article sur moi! Je dicte! Takako est appelé à détrôner... Tenez bon! Hubert n'abandonne jamais! Je suis là. Tout va bien. Takako, il faut qu'on parle. Y'a rien à négocier! Merci. Laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Va-t'en! Il était une fois un lapin et une souris. Et un chasseur et une fermière. Et une licorne. Un lutin. C'est quoi ce plan? Un crapaud. Un magicien. Pour la gloire. Un plombier, une épée, un grille-pain, une goutte, un vélo, une choucroute, 200 grammes de beurre. Vous êtes en sécurité. Il ne peut plus rien vous arriver maintenant. Une botte secrète. On s'appelle pour la parution de l'article, hein? Et n'hésitez pas à passer si vous avez besoin d'autres renseignements. Au fait, c'est quoi l'histoire du lapin, de la souris, du chasseur, de la fermière, de la licorne, du lutin, du crapaud, du magicien, du plombier, de l'épée, du grille-pain, de la gouttière, du vélo... C'est combien pour le magazine? C'est cadeau! Les psychopathes! Ça, mon pote, c'est le début de la célébrité.